Les femmes de ses rêves. Moi, je vais le voir, c'est parce que j'aime bien l'acteur. Ce qu'il fait généralement, c'est drôle. Donc, on va voir pour pouvoir rigoler un petit peu, quoi. Parce que j'adore Ben Stiller et il est très drôle. Et voilà. Ça a l'air d'être assez marrant. Puis, il a l'air d'avoir une histoire quand même. C'est un homme qui a peur de s'engager. Et une fois qu'il croit trouver la femme de ses rêves, une fois qu'ils sont mariés, elle change complètement de caractère. Et fin de compte, tout ce qu'il attendait d'une femme, c'était pas ça. Et en fait, il va tomber amoureux d'une autre femme. Qui, elle, est la femme de ses rêves. Bah, qu'il soit amusant, comme les autres films où on voit où y a Ben Stiller, comme Mon beau-père et moi, La nuit au musée, tous les films dans lesquels il a joué. Merci. 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 Bah, très sympa, on a passé un bon petit moment. Ça m'a beaucoup plu. C'est un chouette film, très marrant, très rigolo, voilà. Très bien, moi j'ai beaucoup aimé, beaucoup d'humour et c'est vrai qu'il a un peu la poisse quand même, le pauvre. Hein. C'était très bien joué, le coup du mariage c'était pas mal aussi. Ben Stiller, comme à son habitude, bien comique, tout ça. Puis aussi le fait que dans ses films, il a pas souvent de chance, là c'est la même chose. Un cadre super agréable en plus, parce que bon, les vacances au soleil... Donc voilà, non mais j'ai bien aimé, vraiment c'est amusant et c'est vraiment distrayant. Bah moi ça me donne toujours l'envie de me marier, mais bon, je sais pas si mon copain sera d'accord. Ouais, il y a pas mal de trucs auxquels on s'attend pas et qui surprennent vers la fin. Bon, il y a des scènes particulières, donc bon, pour les enfants ça sera peut-être déconseillé. Bah merci bien. Merci. Merci. Aussi. Au revoir.